galderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. S'ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère.
ici! Allez! En avant! Se sent minuscule face à la guerre. Une autre fourmi prête à se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout le temps. Non, pas. Je suis aimé. Je suis aimé. Et Dieu me viendra en aide. N'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, d'aimer, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Détruire les canaux sauvera des vies. De vraie vie. C'est concret. C'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie.
ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Traîné dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non.
mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Allez, on y va! Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Der Kommandant will nicht, dass wir die Röhre gefangen nehmen. Sollen wir anders regeln? Was machen wir mit dem Kerl? Nichts Brauchbares zu finden. Das ist alles Mist. Du kennst seine Befehle. Erschieß ihn einfach. Mon Dieu! Repose en paix, mon frère!
Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On ne peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Merde, il y a une patrouille là-bas. Tant de vie perdue. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici.
Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas peur en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Thank you.
n'arrivent pas à battre ces fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Einfach ins Lager und nimmt etwas mit. Ach, ey, Schmidt, ihr habt ja mal hören, die noch gar nicht gesehen. Wenn man mich fragt, sag ich, dass ich nicht weiß. Ja, ja. Du machst dir Gedanken bei deinem Schicksal. Soldat allemand droit devant. Nicht! Abgefahren!
troupes n'ont plus rien à craindre de vous maintenant. Facile. Thank you.
espérer qu'on n'y arriverait jamais. Soldat, écarte-toi de la porte. On va utiliser ce canon. Merde, c'est l'un des leurs. Allez, on peut le faire. En avant. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Thank you.
messieurs. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.